Mais on va ensemble découvrir la surprise qu'on vous a réservée. Parce que vous avez effectivement une troupe constituée à l'année avec des artistes qui viennent un peu de partout. Mais je me disais que ça vous ferait plaisir de découvrir qu'on a aussi d'immenses talents chez nous. On entend la musique d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si vous commencez à distinguer. Ça sent l'accordéon. Ça sent l'accordéon, ouais, ouais. Je ne sais pas encore à quel moment on va entendre cette voix. Mais place quand même à la musique, et c'est pour Mickey Norton. Je me suis mirée dans le miroir du salon et j'ai vu ma tête bouclée et mon petit nez fripon, aussi belle qu'une poupée dans son léger blanchiment. Ce matin, je me suis fraîche comme un pain, fraîche comme un pain, fraîche comme un maillon, comme un papillon, fraîche comme un pain, fraîche comme un pain, fraîche comme un maillon, comme un papillon. Ce tantôt, je me suis miré. Femme désirée, les yeux remplis de passion, ce tantôt je me suis envolée. Avec un beau avec un beau pain, avec un beau pied, avec un bouillon, un beau papillon, avec un beau pain, avec un beau pied, avec un bouillon, un beau papillon. Et ce soir, je me suis mirée dans le miroir du salon et j'ai vu l'image troublée, mon cœur dans l'abandon. Je me suis donnée, et bêtement d'ailleurs, sans penser à la raison. Et ce soir, je me suis brisée. Comme l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pain. Comme l'aile d'un pied. Comme l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pain. Comme l'aile d'un pied. Comme l'aile d'un yon, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pain, comme l'aile d'un pied. Comme l'aile d'un yon, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pain, comme l'aile d'un pied. Comme l'aile d'un yon, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pain, comme l'aile d'un pied. Comme l'aile d'un yon, l'aile d'un papillon. Comme l'aile d'un pain, comme l'aile d'un pied. Comme l'aile d'un yon, l'aile d'un papillon. Il faut absolument prendre ce micro et venir s'asseoir à mes côtés. Alors ça,
C'était la petite surprise en passant. Enfin, la petite. Oh, c'est petite que ça, une grande surprise même, on est bien d'accord. Et une surprise et en plus une vraie prouesse parce que ça n'est pas du tout le métier d'Olivier. Il faut venir s'asseoir avec. Merci. Voilà, merci, merci Olivier. C'est pas du tout un transformiste d'habitude, ni quelqu'un qui est dans le répertoire féminin, Olivier, mais chanteur d'opéra, voilà, d'opérette. En fait, je suis comédien et contre-ténor. Ah! C'est pas contralto, parce que j'ai dit contralto. Et Catherine me dit, non, contralto, c'est pour les filles. Oui, voilà, c'est ça. En fait, les contre-ténors, ça correspond un petit peu à la tessiture d'alto chez les femmes. Voilà. Ouais. C'est quand même de la folie hein, d'arriver à monter si haut. Je suis pas sûre qu'on arriverait à faire ça, même les femmes, là, autour de cette table. Moi Catherine non. Moi, non. L'avis des spécialistes. Un petit essai. C'est un risque, quoi. Mais voilà. Mais on y est. Mais on y est, mais oui, c'est magnifique. De qui est cette chanson, Olivier? Alors, cette chanson a été écrite par Sim et chantée par lui-même dans les années 60, quand il avait ce personnage de la duchesse de la tronche en biais. La tronche en biais. Voilà. Est-ce qu'il existe le personnage de la tronche en biais dans le... Ça pourrait, ça. Hein ça pourrait. Ça fait partie. Sim est un personnage rennais, en tout cas. Bah oui, il y a des pressings qui s'appellent Pressim parce qu'il a offert des pressings à sa sœur qui habitait Rennes. Donc, c'est pas un rennais de naissance, mais il a quand même beaucoup marqué la ville de Rennes. Le saviez-vous? Pas du tout. C'est pour ça que vous regardez TVR. Merci infiniment et à bientôt. Non mais blague à part, merci beaucoup en tout cas. Il faudrait imaginer quand même, je sais pas, il faudrait qu'on aille voir ensemble. Ça serait un grand plaisir de venir vous voir. On a dit qu'on viendrait au Stras. Je crois que vous n'êtes pas débarrassé de nous tout à fait. Hein. Avec plaisir, on vous retiendra quand vous voulez. Ça fonctionne tout au long de l'année, ce Stras. Alors tout au long de l'année, de septembre à mi-juillet. Oui. Et qu'est-ce que vous faites après en juillet? Juillet-août. Répondez. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez... on prépare le spectacle pour le mois de septembre. C'est ça. Et on les affine. Vacances, si, un petit peu. Il y a des périodes un peu plus calmes dans l'année. Ouais. Au moment des périodes scolaires, vacances scolaires ou choses comme ça. Donc, mais c'est vrai que nous, juillet-août, c'est le moment où on peut réinvestir la scène pour le nouveau spectacle. Répéter vraiment sur scène, changement de décor, de lumière. Puisque chaque nouveau spectacle, c'est une nouvelle création de décor, nouvelle création de technique son et lumière. Donc c'est au moment où l'ancien spectacle n'est plus en scène qu'on peut remettre le nouveau en scène, donc sur juillet et août en général. Bon, j'ai été ravie de présenter Olivia à Mickey Nortons et de créer ainsi une sorte de passerelle entre le monde de l'opéra, l'opérette, et du monde, parce qu'il y a aussi un festival de musique baroque bientôt, oui, on pourrait en parler, au Beauchet. Au Beauchet à Bourg-des-Comptes. Et là, Olivier chante, voilà. Mais pas du tout dans ce personnage. Là, c'est du baroque, c'est de l'opéra. C'est un répertoire plus ancien. Ouais. Nous avons un concert de chant Renaissance a cappella pour trois voix d'hommes au mois de juin. Oh ben on n'est pas encore tout à fait. On aura l'occasion d'y revenir dans les Brétiliennes, c'est promis. Merci beaucoup. Merci Marine. Merci Catherine. Merci Mickey. Merci Michael. Christine. Et puis merci à l'accordéoniste qui. Pierre Martin. On applaudit encore très fort les artistes. Merci beaucoup les Brétiliennes. C'est terminé. À la semaine prochaine. Oh.